Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle séance organisée au nom de la section Archives et droits de l'homme du Conseil international des archives. Vous savez que ce sont des sessions qui sont organisées, des webinaires qui sont organisés tous les 2 mois, le premier mardi du mois, sur la thématique Archives et droits de l'homme, et que nous alternons les langues. Et aujourd'hui, nous allons avoir une séance en français. Donc, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Paul-René Bazin aujourd'hui. Donc, Paul est conservateur général du patrimoine. Elle a effectué la majeure partie de sa carrière dans l'administration publique, aux Archives nationales et au ministère de la Défense, entre autres. Et elle s'est occupée d'archives politiques et sociales du XXe siècle. Elle a été responsable du stage technique international des archives pendant quelques années et elle a travaillé étroitement avec le Conseil international des archives dans ses fonctions quand elle était chargée des relations internationales à la direction des archives de France. Et elle a eu de l'occasion donc d'accompagner pendant plusieurs années et de soutenir l'organisation et le traitement des archives du mouvement ATD Quart Monde. Et c'est à ce titre qu'elle va nous présenter ce fonds d'archives exceptionnel. Donc, une petite précision d'ordre technique. Sa présentation sera suivie par des questions que vous pourrez adresser par le biais de l'icône Q et R qui est en bas, questions et réponses. Vous ne pouvez pas utiliser le chat pour poser des questions. Donc voilà, donc Paul, tu as la parole. Merci Perrine. Découvrir le lien d'un homme, d'une institution, d'une collectivité avec ses archives, c'est toujours passionnant, surprenant, stimulant pour une archiviste, même très rodée par une longue expérience, comme je l'étais quand j'ai été mise en contact presque par hasard avec ATD Quart Monde en 1995, alors que je dirigeais la section du XXe siècle aux Archives nationales. En effet, je me suis trouvée devant une situation contrastée, réjouissante pour une archiviste, parce qu'il est en effet exceptionnel qu'une institution mette l'écrit au cœur de son action et de ce fait porte grand intérêt à ses archives, soucieuse de les conserver au mieux, persuadée de leur utilité. Et il est même probablement unique qu'un mouvement s'assigne comme objectif de permettre aux populations concernées, à savoir les plus pauvres, de s'approprier leurs archives et par-delà leur histoire. Et situation contrastée aussi, mais classique dans les associations qui ont le souci de conserver leurs archives, mais malheureusement pas toujours la formation pour les traiter, ce qui explique qu'on ait fait appel à moi à ce moment-là. C'est dans ce cadre que, depuis lors, pendant une vingtaine d'années, j'ai accompagné ATD Quart Monde, dont les fonds d'archives sont maintenant conservés, dans son centre Joseph Wrezinski, inauguré en 2007 à Baillet en France, dans le Val d'Oise. Événement récent célébré par le mouvement en 2023, ces archives viennent d'être inscrites au registre international Mémoire du monde de l'UNESCO, ce qui a fait grand plaisir au mouvement de voir reconnaître ces archives, d'où la demande de mon amie Perrine Cannavaggio de présenter ce fonds d'archives dans le cadre de la Semaine internationale des archives, et plus précisément dans celui de comité dont elle parlait à l'instant, des archives des droits de l'homme, dont elle est membre évidemment très actif. D'entrée de jeu, je voudrais donner d'abord quelques données pour vous permettre de situer la nature et l'ampleur des fonds conservés par le mouvement. D'abord, des documents écrits ou archives sur papier. Je dirais qu'il y en a plus d'un kilomètre. Des documents photographiques. 2 millions de photos argentiques, plus d'un million de photos numérisées, des documents audio et audiovisuels, plus de 10 500 enregistrements audio cotés, des documents audiovisuels enregistrés, et ce qui est assez original, nous avons aussi des objets, des œuvres, des créations artistiques et artisanales qui sont conservées soit à Baillet dans le centre, soit dispersées dans l'ensemble du mouvement et dans le monde entier, mais inventoriées. Sans faire une description complète du fonds, ce qui serait bien ennuyeux et beaucoup trop long,
Je vais articuler mes propos à partir des inspirations visionnaires du fondateur Joseph Wresinski, dont procède directement la constitution de cet ensemble tout à fait exceptionnel. Pour vous donner un exemple, c'est un fonds très important dans la mesure où la plupart des associations ou des mouvements qui s'occupent de la pauvreté n'ont pas du tout cette optique. Et par exemple, je me suis occupé des archives de l'Arche, des archives d'Emmaüs, qui n'ont pour ainsi dire pas d'archives, enfin qui ont des archives, mais pas du tout organisées de la même façon. En effet, le fonds des archives d'ATD Quart-Monde est vraiment le fruit de la volonté de Joseph Wresinski. Elle est intimement liée à sa personne et ce n'est pas seulement le résultat de l'activité d'un mouvement. Je vais dire quelques mots de Joseph Wresinski et de sa personnalité. Qui était Joseph Wresinski? Un petit rappel biographique. Pourquoi cette obsession de l'histoire et pourquoi cette obsession des archives? Jacques Le Goff, dans l'introduction de sa biographie à Saint-Louis, de Saint-Louis, pardon, constate que les individus constituent une part considérable de leurs connaissances et de leurs habitudes dans leur enfance et leur jeunesse. Et cette affirmation s'applique parfaitement à Joseph Wresinski. Je peux avoir la première photo? Parce que je vois Perrine, mais je ne vois pas Andreas. Je ne sais pas si la première photo est projetée. Oui, j'arrive à un moment. Sans m'étendre sur sa biographie, je rappellerai simplement les éléments de sa vie qui me semblent avoir déterminé sa vision du rôle de l'écrit et plus généralement de la mémoire. Joseph Wresinski, ça n'était ni un intellectuel ni un bourgeois, à l'inverse par exemple de l'abbé Pierre, dont on parlera peut-être si ça vous intéresse dans les questions tout à l'heure. Né à Angers dans un camp de regroupement d'étrangers en 1917, d'un père polonais, d'une mère espagnole, il avait vécu toute son enfance dans le quartier misérable de la Doutre, avec sa mère restée seule et ses trois frères et sœurs. Après une scolarité primaire difficile, il avait passé le certificat d'études en élève libre parce que son instituteur ne voulait pas le présenter. Il l'avait réussi. Et plus tard, d'ailleurs, il devra suivre une formation de mise à niveau avant d'entrer au séminaire, ce qu'il a souhaité quand il était plus adulte. Apprenti pâtissier, il découvre la JOC, c'est-à-dire la Jeunesse ouvrière chrétienne, à Nantes en 1934, après un bref passage aux Jeunesses communistes. Et dès sa première réunion, l'aumônier le charge de rédiger le compte-rendu, fait anecdotique mais significatif, les écrits quotidiens des volontaires, qui sont une partie importante des archives dont je parlerai plus loin, s'inscrivent directement dans la filiation de la méthode de l'action catholique. Voir, juger, agir, révision de vie quotidienne, c'est une méthode qui repose sur la notation régulière de faits signifiants sur lesquels s'appuie la réflexion et l'action de l'équipe de la JOC. Et Joseph Wresinski était habité par la conviction que le combat contre la misère et l'exclusion impose une connaissance de l'histoire des familles, les familles les plus démunies, et que cette histoire ne peut être faite que par les familles elles-mêmes ou en coopération avec elles. Là encore, cette conviction prenait ses racines dans son histoire personnelle. Pauvreté, violence, humiliation, xénophobie, discrimination. Il souffrait quand il était jeune d'un rachitisme qui avait déformé ses jambes d'enfant et il dit dans un entretien qu'il donne plus tard à un journaliste « Le tout premier contact avec autrui dont je garde le souvenir est celui d'une injustice et d'un préjudice qui devait marquer mon corps pour la vie. Sans doute est-ce pour cela que me sont devenus intolérables ces nez qui coulent, ces jambes torses, ces jeunes corps déjà griffés qui m'entourent aujourd'hui dans les cités d'urgence, les taudis, les slums. » Et sa réaction, c'est que le mal de la misère est là. Un homme ne peut pas vivre ainsi humilié sans réagir. Et l'homme pauvre, aujourd'hui comme hier, réagit de la même façon violente. Alors pourquoi cette réaction pour l'histoire? Deuxième diapo peut-être. Voilà. Et même directement la troisième, je pense. Voilà. Non, ce n'est pas celle-là, c'est plus loin. Encore, vas-y. Encore, voilà, merci. Pourquoi cette obsession pour l'histoire? Dans la conférence qu'il donne à la Sorbonne, le 5 juin 1983, et qui est intitulée « Échec à la misère », Joseph Wresinski s'adresse tour à tour aux universitaires,
et aux familles sous-prolétariennes, rassemblées ensemble à la Sorbonne. Aux universitaires, il dit ça. Qui connaît cette histoire des plus pauvres? Où sont les historiens? Les facultés s'intéressent-elles à elle? Ils n'existaient pas hier, ils n'existent pas davantage aujourd'hui. Sinon, le mouvement ATD Carmonde eût-il ressenti la nécessité de se faire l'historien du Carmonde dans notre temps? Curieusement, les plus pauvres apparaissent comme n'ayant pas d'histoire par eux-mêmes. Ils surgissent dans l'histoire des autres simplement lorsque leur existence fait violence, appelant des mesures violentes en retour. Mais ils s'adressent en même temps aux familles du Carmonde en leur disant « Le mouvement ATD Carmonde, qui avec les familles tente de se faire historien de la misère, peut tout au plus poser de bonnes questions. Seul remède à ses yeux, le savoir, introduit par le plus bas, montant dans la société comme un ballon d'oxygène, la saine émulation, celle des chances égales. » Il est intéressant d'en parler, nous avions fait un séminaire il y a quelques années sur l'histoire militante pour essayer de comprendre pourquoi l'histoire du Carmonde ne débouchait pas véritablement comme ont débouché l'histoire des femmes, l'histoire des différentes minorités, l'histoire des Noirs. On pourra peut-être en parler au moment des questions. De cette exhortation sont nées les bibliothèques de rue, les pivots culturels, les clubs de savoir, les universités populaires, toutes ces activités du mouvement ATD Carmonde qui en font ses caractéristiques, sans oublier bien sûr les archives qui reflètent ces nouvelles dynamiques de lutte contre la pauvreté. Plus généralement, Joseph Wrezinski regrette pour lui et le Carmonde le vide culturel et l'absence d'histoire personnelle et collective. Dans un colloque intitulé « Culture et grande pauvreté », il dit « Je suis jaloux de ceux qui, dès leur enfance, apprirent à aimer la musique et la danse, l'art et la poésie. Je n'eus pas cette chance et toute ma vie j'en ai souffert. Pouvoir l'offrir aux plus pauvres a été mon combat. » C'est ce que fait encore le mouvement actuellement. De ce souci, la trace est gardée, notamment par ce que l'on nomme l'artothèque. Ça fait partie des archives, c'est un peu bizarre, mais sont conservées des œuvres de grands artistes qui sont venus à l'appel du Joseph Rézin, du Père Joseph. Par exemple, Jean Bazaine avait fait les vitraux de l'église, la chapelle de Noisy-le-Grand, mais aussi des œuvres de famille, de jeunes, des œuvres souvent de grande qualité, exécutées sous l'impulsion de volontaires et de bénévoles. Par exemple, il y a un patchwork de nos vies qui a été réalisé pour le 17 octobre 2004 devant l'ONU, ou bien encore la toile des absents, réalisée en 89 pour la rencontre des familles, elles-mêmes, avec le pape à Rome, ou encore à Berry, je connais bien le mur du courage, réalisé par toutes les familles du monde entier qui sont accueillies à Berry par le mouvement. Et Joseph Wrezinski s'élève contre les interdits qui frappent le peuple des pauvres, famille, travail, citoyenneté, spiritualité, histoire. Il note l'interdiction virtuelle d'entrer dans l'histoire des autres, d'y être reconnu comme partie prenante. Selon lui, les plus pauvres sont quasiment occultés dans l'histoire des sociétés, à peine si leur existence affleure de temps à autre dans nos récits. Tout se passe comme s'ils n'avaient pas d'histoire propre, au même titre que la paysannerie, la classe ouvrière, la bourgeoisie, la noblesse. Or, nul peuple ne peut se faire comprendre s'il ne peut transmettre son histoire avec honneur, si lui-même n'a de son histoire qu'une vision négative. Et il pose ainsi les jalons d'une nouvelle politique culturelle. J'ai eu l'occasion de réfléchir à cela en faisant travailler des gens du Carmonde sur les archives. Et j'ai découvert à quel point il était difficile de travailler pour en faire une histoire. Il est important de noter que le mot Carmonde, communément utilisé aujourd'hui pour désigner les populations les plus pauvres, a été préféré par Joseph Wrezinski à l'expression de sous-prolétaire qu'il utilisa un temps. Elle est empruntée à un révolutionnaire, Dufourny de Villiers, qui est auteur en 1789 des cahiers du quatrième ordre. C'est de là que vient cette expression Carmonde. Alvine de Vos, qui était une volontaire auprès du Père Joseph, analyse ce terme en soulignant les frontières mouvantes de ce groupe social et en proposant un modèle qui permettrait aux historiens de remonter dans le lointain passé par des enquêtes historiques, ethnographiques ou sociologiques. Il reste encore beaucoup de travail à faire. En 80, s'adressant à des alliés, Joseph Wrezinski insiste « Lutter pour les droits de l'homme, c'est lutter pour le droit d'être un homme. » Une alliée du mouvement, Michel Grenot, a consacré sa thèse puis un ouvrage à Dufourny de Villiers, qui est à l'origine de cette évolution du quatrième ordre au Carmonde. Et maintenant, on peut dire que c'est devenu d'usage courant. Le mot « carmonde »
en français en tout cas, a un sens qu'on comprend tous, alors qu'il y a 30 ou 40 ans, c'était un mot qui n'était pas du tout utilisé. Volonté, utopie, la question de la représentation démocratique du peuple est posée. Et elle est toujours d'actualité, parce qu'en décidant d'appeler son mouvement, qui s'appelait « Aide à toute détresse », de l'appeler « ATD Quart-Monde », Joseph Brzezinski se réfère explicitement à la période révolutionnaire et à la devise républicaine. Parler de la pauvreté, c'est parler aussi d'un effort pour la vaincre, à travers le développement de la démocratie qui devait, du moins le pensait-on, permettre à tous de vivre les idéaux de liberté, de justice, de fraternité. S'exprimait la volonté de resserrer les liens entre les hommes afin qu'ils s'unissent pour faire face à la misère et la détruire. Après cette présentation de Joseph Brzezinski et de sa passion pour l'histoire, quelques mots sur le centre lui-même, le Centre international Joseph Brzezinski, qui est devenu maintenant le Centre Joseph Brzezinski. Au départ, on pouvait s'interroger sur la légitimité d'un projet de rassembler toutes les archives au même endroit. Que devait-on faire de toutes ces archives qui, depuis la création du mouvement, s'accumulaient un peu partout? Les archives étaient déjà conservées, classées à peu près convenablement, mais le besoin se faisait sentir à certains de les regrouper en un seul lieu et de les gérer selon les principes communs, dans la perspective d'en permettre un usage plus aisé près de 50 ans après les débuts du mouvement. Certaines restaient sous la responsabilité de ceux qui les créaient. D'autres étaient rassemblées à Méry-sur-Oise, le siège du mouvement à côté de Pierrelet. La décision n'a pas été facile au départ. Ça a été le fruit d'une longue concertation et de bien des hésitations entre les diverses possibilités. J'en ai été le témoin parce que souvent on me demandait un peu mon avis, on me demandait de participer à des réunions. Et la question pouvait se poser, par exemple, du dépôt dans un service d'archives publiques. C'est le choix qu'a fait l'association Emmaüs, le mouvement Emmaüs, qui a déposé ses archives aux archives du monde du travail en France, à Roubaix. La question se posait très sérieusement parce que créer un service, ce n'est pas facile. Finalement, la naissance a été entérinée et le lieu a été choisi à Bayeux en France. Bayeux en France, c'est dans un village à une dizaine de kilomètres de Pontoise, dans le Val d'Oise. L'inauguration a eu lieu en 2007. Ça se composait. On peut prendre la photo suivante. Voilà. Vous voyez là le centre Joseph Brzezinski. Vous avez devant vous un bâtiment moderne qui a été construit pour les archives avec des sous-sols, à peu près selon les normes archivistiques classiques, à peu près, je dirais. Et dans le fond, vous n'apercevez pas, mais il y a un bâtiment ancien. C'était un collège, on aperçoit un petit peu le haut. C'était un ancien collège qui sert pour les bureaux et pour quelques chambres qui permettent de loger les gens qui viennent travailler là, puisque ce n'est pas très facile d'accès, il faut venir par le train et un peu à pied. Cet endroit a été inauguré en grande pompe en 2007 et le Centre international Joseph Brzezinski a reçu du mouvement trois missions prioritaires. La première mission, c'est de faire en sorte que tous les membres du mouvement soient bâtisseurs de mémoire, comme on dit. Bâtisseurs de mémoire, ça veut dire que des volontaires viennent à Bayeux se ressourcer. Les volontaires, ce sont ceux qui travaillent avec ATD Quart-Monde tout le temps, qui se consacrent, qui ne sont pas eux-mêmes issus du Quart-Monde, mais qui vivent pour ATD Quart-Monde et au sein d'ATD Quart-Monde. Ces volontaires viennent à Bayeux se ressourcer en consultant leurs propres écrits ou des textes fondamentaux. Ils se forment en se plongeant dans l'histoire du mouvement et se documenter quand ils vont partir pour des nouvelles missions. Les militants, c'est-à-dire ceux qui sont issus du Quart-Monde et qui travaillent avec ATD maintenant, utilisent aussi les ressources du centre pour écrire leur histoire. Plus largement, les équipes ont à cœur de conserver leurs archives afin de permettre aux populations très pauvres, notamment dans les pays qui n'ont pas d'archives, de savoir que leur histoire est conservée quelque part et d'en être fiers. Bayeux reçoit des versements des instances internationales et nationales ainsi que des équipes du monde entier. J'ai eu l'occasion plusieurs fois de rencontrer des militants qui venaient de pays très lointains et qui étaient devant les archives comme devant un grand souvenir familial ou un grand souvenir très important. Je ne sais pas s'ils étaient capables beaucoup de travailler dans les archives, mais pour eux, c'était quelque chose de fondamental dans leur structure. Deuxième mission prioritaire, faire en sorte que ce travail de mémoire, de création d'archives, permettent dans des délais raisonnables de rendre accessibles aux membres du mouvement et à d'autres les fonds conservés
Les documents concernant les familles permettent notamment à celles-ci et à leurs descendants de s'approprier leur histoire dont ils n'ont aucune trace. Photos, cartes postales, lettres. Ce qui pose un problème de conservation parce qu'on avait tendance à tout garder, y compris les cartes envoyées de vacances ou autres, puisque c'était des gens qui n'étaient jamais partis en vacances, des enfants qui n'avaient jamais écrit. Et donc on avait tendance à garder peut-être un peu trop au début et à envahir les archives de documents que nous ne gardons pas ailleurs d'habitude. Troisième mission prioritaire, faire en sorte que, prenant appui sur tout ce qui est rassemblé à Baillet, des travaux d'écriture, de connaissances et de recherche se développent, en y impliquant aussi bien des membres du mouvement que des personnes extérieures. Alors, il faut avouer que la nature des documents portant sur une période très contemporaine et les craintes des militants de voir leur histoire livrée à des étrangers ont engendré une très grande exigence de confidentialité. Et un comité d'éthique, s'appuyant sur un code de déontologie, est consulté avant que les archives jugées confidentielles soient communiquées. Alors, le fonds photographique, les études et les publications sont des ensembles largement ouverts, mais pour le reste, je dirais, les personnes extérieures sont encore pas très nombreuses à utiliser les archives, ce qui ne facilite pas toujours les recherches historiques classiques. En 2010, nous avions fait un séminaire et le centre avait conçu un guide d'archivage mis à disposition de tous sur le site du mouvement, en français, en anglais et en espagnol. Et il portait l'en-tête suivante qui résume bien, à mon avis, sa raison d'être et ses missions. Recueillir l'histoire des très pauvres, comprendre les causes de la misère, approfondir l'engagement de ceux qui la combattent. J'en arrive maintenant aux fonds. Les fonds sont répartis en fonction de leur support. Premier ensemble, les écrits. Les écrits sont répartis en trois sous-ensembles: écrits personnels des membres du mouvement, fonds vie du mouvement, reflétant la vie et toutes les activités du mouvement, et collection du père Joseph Wrzesinski. Je ne pourrais pas détailler tout, je m'étendrai simplement sur l'un ou deux. Peut-être peut-on montrer les photos 5 et après 6. Voilà. Voilà quelqu'un qui écrit. Vous voyez là quelqu'un qui est en train d'essayer. C'est une militante pauvre, des milieux pauvres, qui apprend à écrire. Et on peut montrer la suivante. Voilà. Voilà quelqu'un qui essaye d'écrire et qui est aidé par quelqu'un du mouvement pour apprendre à écrire. Alors, les écrits personnels des membres du mouvement, ils sont dits rapports quotidiens ou encore rapports d'observation de plus en plus. Le père Joseph, dans un séminaire, leur dit: ce ne sont pas des rapports philosophiques ni des rapports d'intention. C'est réellement nous avec la population, notre face-à-face avec la population. Joseph Wrzesinski distingue trois aspects: la rencontre privilégiée avec les familles, sorte de communion avec les familles, les jeunes, les enfants, parler de nous dans ce premier contact, nous livrer en amis. Ensuite, écrire une histoire entre amis et pas la relation d'un voyeur qui regarde et qui transcrit. C'est valable aussi pour les photos d'ailleurs. Et puis enfin, la sincérité. Et grâce à la sincérité, les familles ont confiance en nous. Je considère le rapport quotidien, dit-il, comme une victoire des familles et comme une des victoires du mouvement. Alors on imagine à la fois la richesse de ces documents et leur caractère encore très confidentiel. On imagine aussi les évolutions de ces types de documents avec les évolutions technologiques en un demi-siècle. On est passé des petits bouts de papier sur lesquels quelqu'un écrivait ce qu'il avait fait dans la journée. Et puis les mails qu'ils ont envoyés maintenant systématiquement toutes les semaines ou tous les mois qui racontent ce qui a été fait par le volontaire. D'où la nécessité pour l'historien qui y aurait accès d'en faire une analyse critique, certainement. Ces rapports d'observation, je ne peux pas m'étendre davantage, c'est un fonds passionnant, devenu aujourd'hui donc écrit quotidien, ont été utilisés dès le début des années 60 et le sont encore pour créer d'autres catégories de documents. D'abord, des études, des synthèses, des monographies familiales. En effet, pour approfondir, garantir et systématiser cette démarche de connaissance et de communication de cette mémoire constituée, Joseph Wrzesinski, secondé par Alvin Devos, qui était en fait une diplomate néerlandaise et qui était devenue volontaire, avait créé dès 1960 un bureau de recherche sociale qui est devenu ensuite l'Institut de recherche et de formation aux relations humaines pour permettre aux travailleurs de terrain et aux universitaires de confronter leur compréhension de la pauvreté. Ces observations apportent des informations de type monographique sur des personnes et des familles.
Elles permettent de décrire des types de situations vécues, sans toutefois rendre compte des situations d'ensemble et sans caractère statistique. Vraiment, ce sont des textes extrêmement riches. Je prendrai simplement un exemple. À l'occasion de l'année internationale de la famille en 1994, une étude confiée au mouvement par le secrétariat de l'ONU a été remise à cette organisation en décembre 1993, intitulée Est-ce ainsi que des familles vivent? Contribution du quart monde à l'ONU. Des familles très défavorisées voulaient, entre guillemets, témoigner pour que cela n'arrive plus aux autres, disait-elle. Et pour le mouvement, il s'agissait de faire exister un peuple en lui donnant la parole. Partant du constat que s'il existe depuis longtemps des histoires de vie écrites par des personnes ayant connu la pauvreté, il est beaucoup plus inhabituel que des personnes se trouvant encore en situation de pauvreté, de misère, d'exclusion sociale osent se raconter. C'est ce que montre la photo que vous avez sous les yeux, où vraiment quelqu'un apprend à s'exprimer. Et là, l'ouvrage consistait essentiellement en quatre monographies de familles en Allemagne, aux États-Unis, au Guatemala et au Burkina Faso et en Thaïlande, débouchant ensuite sur une analyse et sur des principes de politique familiale. Je rappellerai à cette occasion la promesse que Joseph Wresinski avait faite et tenue aux familles de Noisy-le-Grand, le camp de Noisy-le-Grand. Il avait dit: Je leur ferai monter les marches de l'Élysée, du Vatican, de l'ONU, des grandes orientations internationales. Et il a tenu promesse. Les gens du quart monde sont allés dans toutes ces institutions, ce qui n'était pas d'ailleurs sans surprendre ceux qui les accueillaient et qui étaient plus habitués à recevoir des hauts fonctionnaires ou des hommes politiques que des gens du quart monde. Autre catégorie de documents, les archives du Bureau de recherche sociale, dont je viens de vous dire qu'il avait été créé dans les années 60. Et dans le but d'affirmer, preuves en main, que non seulement les plus pauvres existent toujours, mais qu'ils sont les témoins de toutes les entorses portées aux idéaux. Et l'Institut a mené de très très nombreuses études, dont un bon nombre ont été publiées dans le cadre des diverses actions menées par le mouvement en France et pour les institutions internationales. J'en citerai simplement une, menée par Daniel Fayard, qui était quelqu'un de tout à fait extraordinaire, qui dirigeait ce service pendant longtemps, en collaboration avec la Caisse d'allocations familiales de la Marne, Famille pauvre de Reims, de l'argent pour vivre. Étude sur 30 mois des variations de revenus d'une quarantaine de familles en 1980. Il y a eu aussi beaucoup d'autres études, que je n'ai pas le temps bien sûr de détailler, qui ont été présentées dans le rapport qui a été fait pour le Conseil économique et social et qui ont largement contribué à la création du RMI, du revenu minimum d'insertion, que nous connaissons tous, en tout cas pour les Français. Quelques mots maintenant des documents audiovisuels, audio et audiovisuels, dans la même perspective que les écrits quotidiens, conçus pour ne pas perdre d'informations, de propos, d'impressions, et en gardant des traces tout en déchargeant les volontaires de leur poids. Les enregistrements de sessions, réunions, entretiens se sont très tôt multipliés dans le mouvement. Et il y a des milliers de cassettes qui ont été conservées. Je ne vous cacherai pas que c'est un problème parce qu'elles sont d'intérêt inégal. Elles sont en principe toutes numérisées et stockées, mais pas toujours indexé, donc c'est une masse considérable, intéressante, mais pas facile à manier. Le fonds photographique, en revanche, est particulièrement riche. Il remonte au début du mouvement. Il contient des reportages photographiques réalisés par de grands photographes. Je citerai par exemple Jean-Louis Lartigue, qui avait été sollicité par le Père Joseph. Et puis aussi des photos prises par les membres du mouvement dans les différentes réunions, les dîners, les accueils, dans les lieux de grande pauvreté à travers le monde entier. On peut montrer peut-être les photos le suivant. Ça, c'est une université populaire, j'en parlerai peut-être après. Ensuite, voilà. Voilà, vous voyez des photos qui sont relativement récentes et qui se trouvent dans différents pays. Ce fonds, qui comporte plus de 3 millions de photos et s'accroît chaque jour, est en bonne partie numérisé et indexé. Et là, il est extrêmement utilisé. Plus de 3 millions de photos. C'est vraiment quelque chose un fonds extraordinaire. Alors, sans entrer plus avant dans la description de l'ensemble qui émane des différents corps de mouvement, des événements mobilisateurs, comme par exemple l'organisation chaque année, le 17 octobre, de la Journée internationale de lutte contre la misère, et puis enfin l'activité des secteurs dans le monde entier, et des secrétariats spécialisés par domaine, je voudrais simplement dire quelques mots de deux fonds. Mais avant, si on peut revenir à la photo précédente, est-ce qu'on peut revenir à la photo précédente ou c'est un peu... Voilà. Je voudrais dire un mot des universités populaires.
C'est quelque chose de, c'est une institution très particulière à TD Quart-Monde. Les gens du Quart-Monde se réunissent par petits groupes, discutent d'un thème qui a été choisi pour l'année ou pour le trimestre, un peu partout en France, et en font un compte-rendu. Ils essayent de faire un petit compte-rendu. Là, on aperçoit le Père Joseph, mais ça continue encore aujourd'hui et il est mort depuis longtemps. Et ce compte-rendu est porté au niveau au-dessus, où les responsables, ceux qui ont été délégués par l'Assemblée vont présenter le rapport qui a été fait. Et on arrive ainsi à une sorte d'université populaire qui rend compte sur un thème quelconque de la pensée des uns et des autres. Et j'ai trouvé toujours ça extraordinaire parce que, au lieu de ne pas s'exprimer, on apprend à parler. Et quand on apprend à parler, on apprend à être moins violent. J'ai remarqué que c'est très, très, très formateur. Bon, c'était un aparté. J'en arrive maintenant au fond, un fond intéressant et qui pose des problèmes pour les archivistes, c'est le fond dit Joseph Wrezinski. C'est vraiment une hérésie archivistique parce que ça ne respecte absolument pas les fonds. Le respect des fonds, le principe est complètement bafoué. Il s'agit en fait d'une collection qui s'est constituée naturellement à Bayeux en France autour du nom du fondateur. Aussitôt après sa mort, en février 1988, furent rassemblées sa correspondance, ses conférences, messages, homélies, cahiers de notes, ainsi que ses papiers personnels et tous les dossiers conservés dans son bureau pour lui permettre de suivre la marche du mouvement. Donc un peu tout et n'importe quoi. Les lacunes furent comblées ensuite à partir des autres fonds existants. Enfin, des copies de documents et des témoignages sur sa vie antérieure à Noisy furent obtenus grâce à sa famille, à ses paroissiens du village de Duisel et du diocèse de Soissons dans lequel il avait été ordonné prêtre. Et ce fonds a été notamment travaillé et utilisé par les experts nommés par l'évêque de Soissons dans le cadre de la cause de béatification du Père Joseph. On peut s'interroger sur le bien-fondé d'une telle collection qui a retiré certains documents de leur dossier d'origine et s'est en partie alimentée de doubles et de copies. Mais on doit reconnaître que bien des personnalités dans les archives institutionnelles, dans les archives politiques, ont préféré constituer un fonds à leur nom. Et tel quel, ce fonds d'environ 100 mètres linéaires existe. Il est pour ainsi dire classé et inventorié pièce à pièce, par thème, et se révèle utile au mouvement. Je n'en tirerai pas de conclusion. Le deuxième fonds sur lequel je voulais insister, c'est le fonds international, qui me semble peut-être plus intéressant pour vous aujourd'hui. Parce que dès ses débuts, le mouvement ATD Quart-Monde a accueilli des volontaires étrangers, mais dans un premier temps surtout européens. On peut prendre la photo 8, la photo suivante. Encore? Voilà, très bien. Dès le début, les mouvements donc a accueilli surtout des Européens, puis en 1964, les États-Unis furent le lieu de la première implantation étrangère, suivie de peu par la Suisse en 1965. Le mouvement devient officiellement mouvement international en 1974. Aujourd'hui, le mouvement est présent dans 31 pays, avec des correspondants dans 100 pays. En outre, la volonté de Joseph Wrezinski de voir les plus pauvres reconnus comme citoyens à part entière dans les institutions les plus prestigieuses, l'amena à entrer en relation avec les responsables des grandes organisations internationales. C'est ainsi que, par exemple, qu'ATD approche l'ONU dès 1973, pose sa candidature pour le statut consultatif à l'ECOSOC, participe à des réunions internationales, en particulier en présentant un document sur le quart-monde, le quart-monde peuple exclu des droits de l'homme, à l'occasion du 30e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme. Et les archives que j'ai classées, je me suis consacré essentiellement à ce fonds dans les dernières années de ma présence à ATD, témoignent de l'originalité et de l'efficacité des liens, je dirais plus amicaux que conventionnels, tissés avec les secrétaires généraux de l'ONU. On voit très souvent une note hier, nous avons pris le thé ensemble, et avec Pérez de Cuellar, par exemple, ou avec sa femme, et avec certains collaborateurs, et nous avons parlé, bien sûr, évidemment, de l'action d'ATD. Ça se fait à l'occasion de l'inauguration d'une dalle à New York en 92, etc. Le fonds international est particulièrement important. Il comporte 11 mètres linéaires à la fin, après traitement, 11 mètres linéaires, soit les versements de l'ONU, des années internationales, de l'UNESCO, de l'UNICEF, du Bureau international du travail, plus quelques documents moins importants de la FAO, du CNUD, de la CNUSED.
Je crois que je n'ai pas le temps de vous raconter tout l'historique et l'organisation du mouvement international ATD Quart Monde. Je vois que le temps passe et je ne voudrais pas durer trop longtemps, enfin, prendre trop de temps. L'association a été reconnue comme organisation non gouvernementale par toutes les principales instances internationales, l'ONU bien sûr, l'UNESCO, le BIT, l'Union européenne aussi. Et elle a reçu le statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations unies, de l'UNESCO, de l'UNICEF, du BIT, le statut participatif auprès du Conseil de l'Europe et la présence d'une délégation permanente auprès de l'Union européenne. Alors, il y a eu une équipe des relations internationales très intéressante avec laquelle j'ai beaucoup travaillé puisqu'ils m'ont aidé à classer les documents que j'avais en main. Durant longtemps, elle a été dirigée par Joseph Wresinski lui-même, puis par Alvine De Vos, fondatrice et âme de l'équipe, et qui, étant une ancienne diplomate, était particulièrement consciente de l'importance des organisations internationales. Elle a eu un rôle essentiel pour la progression des idées du mouvement au niveau international, avec aidée bien sûr par Huguette Redegelde, mais je ne vais pas vous donner toute la liste de ceux qui, nombreux au sein de l'ATD, se sont penchés sur ces questions. Je vois que le temps passe, je ne vais donc pas m'apesantir sur le fond lui-même. Il y a beaucoup, je dirais simplement quelques mots de la participation à des conférences, aux années internationales. Les années internationales sont particulièrement importantes. Beaucoup de documents ont été fournis comme matière et ça se terminait d'habitude par l'envoi au moment des congrès ou des grandes réunions, deux délégations du quart monde qui étaient toujours très frappantes parce que débarquer à l'ONU quand on arrive d'un bidonville, ça ne se fait pas n'importe comment et ça n'a pas, ça a un impact considérable. Le premier investissement d'ATD sur le plan international, c'est en 1975, la participation à la Conférence mondiale sur les femmes. Mais les années internationales ont été particulièrement importantes. Je dirais qu'il y a eu l'action contre l'extrême pauvreté, l'action sur les enfants, l'année de la famille, l'année les enfants du quart monde. On a créé un groupe enfants du quart monde destiné à rassembler un certain nombre d'ONG pour participer aux réflexions sur la rédaction de la Convention des droits de l'enfant. Donc, vous voyez, je ne peux pas vous donner tous les détails, mais ils sont à votre disposition si un jour vous en avez besoin. Et un événement clé a été la rencontre de Joseph Wresinski et d'Alvin DeVos avec le secrétaire général des Nations unies, Pérez de Cuellar, qui a vraiment apporté son soutien à ATD, y compris quand il était à la retraite. Et jusqu'à sa mort dans les années 88, jusqu'à sa mort, je veux dire, Joseph Wresinski est allé le voir presque tous les ans à New York ou à Genève, de façon très informelle, mais en même temps extrêmement efficace. Malheureusement, je vais sauter un peu parce que je crois que je n'ai pas le temps de vous donner tous les détails que j'avais envie de vous donner sur les documents qui composent ce fonds particulièrement intéressant. Par exemple, je vous citerai tout de même l'année internationale de la famille en 1994 et surtout l'année internationale pour l'élimination de la misère en 1996. Cette année-là, l'association organisa une rencontre importante avec le secrétaire général Boutros-Boutros-Ghali le 25 juin. Il y avait déjà eu une réunion peu de temps avant, au cours de laquelle furent invités de nombreux représentants du quart monde. Et la fin de la décennie a été marquée par deux anniversaires importants. À l'occasion du cinquantenaire de la Déclaration des droits de l'homme en décembre 88, il y a eu une intervention au Palais de Chaillot à Paris, en marge des cérémonies officielles, et puis le 10e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant, célébrée en 1999. Une session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies consacrée aux enfants est organisée en 2002. Alors, quelques mots maintenant de l'historique de la conservation et des modalités d'entrée, puisque ça peut vous intéresser en tant qu'archiviste. Les archives des relations internationales se trouvaient depuis la création du mouvement international au siège du mouvement à Pierrelaye dans le Val-d'Oise. Certains documents, notamment la correspondance interne, les rapports, les comptes rendus des réunions d'équipe, étaient envoyés à la délégation générale et qui était située à Méry-sur-Oise et qui les archivait de son côté. Tout ça, c'était très mélangé et une partie de ces documents a été déménagée à l'ouverture du centre Joseph Wresinski à Bayeux en France. Puis une seconde partie en 2009. Ces deux ensembles étaient complémentaires, tout à fait imbriqués les uns dans les autres, près de 1500 boîtes.
Elles ont fait l'objet, dans un premier temps, d'un tri sommaire et d'un état des boîtes. C'est moi qui l'ai fait, donc je sais ce que ça représentait comme travail. Ces documents arrivés à Bayeux après 2011 ne font pas partie de ce fonds. Mais tout le reste, 1500 boîtes, a fait d'abord l'objet d'un tri sommaire et ensuite on a classé l'ensemble. Un premier ensemble a été porté sur les relations avec les institutions des Nations Unies, avec les travaux avec les Nations Unies, avec les comités. Un second ensemble regroupe l'action du mouvement. Un troisième ensemble regroupe les documents avec l'UNESCO, un autre avec l'UNICEF, un autre avec l'Organisation internationale du travail et un dernier avec les différentes autres institutions internationales. Pour les années internationales, les archives des années internationales, l'ordre chronologique s'est imposé. Pour le reste, le classement adopté a été dans la mesure du possible le suivant: les documents généraux, statut du mouvement, représentation, participation aux instances internationales et nationales, et enfin action du mouvement dans l'ordre chronologique. On a procédé à beaucoup de tri et élimination. Il a été décidé d'éliminer la plus grande partie de la documentation officielle qui était amassée au cours des réunions et des sommets internationaux ou reçue par correspondance, ceci pour des raisons de gain de place et d'exploitabilité des archives. Sans ce tri, les documents qui témoignaient de l'action d'un TD tendent à être noyés au milieu d'une masse de documents de travail qui, en principe, sont déjà conservés par l'ONU. N'ont donc été le plus souvent conservés que les documents citant explicitement le mouvement ATD, ainsi que les programmes, comptes rendus officiels, les déclarations finales permettant de saisir l'essentiel du contexte, du déroulement et des décisions prises au cours des événements auxquels ATD avait vraiment participé. Et les contributions apportées à ces événements par d'autres ONG ou d'autres personnalités n'ont pas non plus été conservées si ATD n'y a pas participé ou n'y est pas cité. C'était un choix. Parmi les notes manuscrites et les brouillons de travail qu'il n'est pas d'usage de conserver, l'option a été prise de garder cependant les documents produits par Alvin DeVos, dont je vous ai parlé plusieurs fois, dans la limite de leur lisibilité et de leur pertinence, en raison de leur intérêt historique. Elle fut vraiment le principal animateur des relations internationales pendant plus de 30 ans. Et des notes de travail manuscrites ont parfois été conservées si on n'avait pas le rapport ou s'il n'y a pas de compte rendu dactylographié. Je dirais qu'environ 20 mètres linéaires d'archives ont été éliminés. En guise de conclusion, quelques remarques. En prenant appui sur le dernier rapport d'activité du centre qu'on m'a confié récemment pour préparer cet exposé. D'abord, les rapports avec les historiens dont j'ai parlé au début. Le mouvement ATD Quart Monde a bien compris qu'il était nécessaire de savoir pour détruire la misère et que l'expérience de l'exclusion sociale et de l'extrême pauvreté pouvait servir à l'ensemble de l'humanité. Il y a eu des historiens qui, depuis longtemps, se sont intéressés à ATD. Citons Michel Perrault pour la France. Cite Michel Perrault, Annie Kriegel, qui ont participé à des sessions très rapidement, Philippe Joutard, qui a dirigé un ouvrage collectif sur les techniques de l'histoire orale, René Raymond, qui était un grand ami du mouvement et qui, introduisant un colloque à Caen intitulé organisé à l'occasion du bicentenaire de la Révolution et intitulé Démocratie et pauvreté, invitait les participants à ressaisir une histoire oubliée. Michel Grenot, plus récemment, dont je vous ai parlé et qui a publié sa thèse sur Dufourny de Villiers. Axelle Brodier, qui était une chercheuse beaucoup plus jeune et qui vient de faire porter son habilitation sur l'histoire d'ATD. Et il y a des démarches qui sont intéressantes de ce qu'on appelle le croisement des savoirs, c'est-à-dire qu'on développe des travaux entre historiens ou chercheurs et membres et militants du Quart Monde. Il y a par exemple eu un séminaire entrepris en 2019. Résistance, droit, injustice liée au savoir, qui a été terminée par un colloque en décembre 2022 sur pauvreté, critique sociale et croisement des savoirs en philosophie sociale ou en épistémologie. Et là, on a des équipes composées de chercheurs et de militants du Quart Monde, ce qui est difficile mais très intéressant. En 2022, le rapport annuel d'activité indique 282 demandes, 641 visites, 3 stagiaires et 303 liens et partenariats avec des chercheurs et chercheuses universitaires. Mais pour l'instant, je dirais que la priorité est donnée à l'accroissement du fonds, au classement et à la rédaction d'instruments de recherche. Pour ceux que ça peut intéresser, et nous sommes nombreux dans ce cas, les archives sont intégrées dans un système d'information archivistique. La société de service Olcoa a assuré l'assistance de la maîtrise d'ouvrage. Et la société 1 égale 2 est l'éditrice du logiciel choisi.
Je ne le suis plus du tout actuellement, donc je ne pourrais pas vous en dire grand-chose de plus. Mais ça a exigé des évolutions de la part des équipes chargées du classement, de la description, des archives et dans la pratique des versements. On parle des 4 C, collecte, classement, conservation, communication, ce qui évidemment nous parle beaucoup aux uns et aux autres. Parallèlement, le centre développe son centre de documentation qui est ouvert au public. Il est intégré au catalogue du SUDOC. L'équipe en place au centre comportait en 2022 13 personnes à plein temps, 3 à mi-temps, 19 venant un jour à deux par semaine, quelques étudiants en stage, un archiviste professionnel. Et son budget est de 256 kilos euros. Alors gageons que dans un avenir pas trop lointain, des chercheurs pourront exploiter ces sources prometteuses dans un champ social où il reste beaucoup à faire pour répondre à la question posée par le père Joseph en 1982, qui, après avoir marché sur ce qui fut la cité d'urgence de la Cerisaie à Stains, écrivait, je le cite, L'autre jour, je passais par là. Je ne reconnaissais même plus l'emplacement du bidonville ni celui de la cité. Aucune stèle, aucun monument n'a été élevé, aucune plaque commémorative n'a été posée. Pourtant, en ces lieux, l'humanité a souffert comme nulle part ailleurs. Qui le saura? Qui en témoignera? Je crois que le Centre international Joseph Brzezinski cherche à répondre à cette question. Et on m'a dit, quand j'ai dit que j'allais vous parler, de faire appel à votre soutien sous toutes les formes. Le centre a vraiment besoin de soutien intellectuel, matériel, de toutes sortes. Donc n'hésitez pas, vous serez bien accueillis si vous avez envie de prendre contact avec eux. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Merci, merci Paul pour cette présentation très complète et passionnante et pour ce rappel du parcours exceptionnel du père Brzezinski et surtout cette intuition qui a abouti à une réalisation tout à fait exceptionnelle de documenter une population qui était absente des archives, absente de la société, qui n'avait pas voix ni dans la société ni dans l'histoire. Donc c'est vraiment 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 extraordinaire. Alors je ne sais pas s'il y a déjà des questions. Pour l'instant, je n'en vois pas. Ah, voilà. Alors, une question de Mani Andigui. Bonsoir à vous. Bonsoir, oui. Le centre serait-il intéressé par la mise en stage d'étudiants archivistes internationaux, notamment d'étudiants archivistes africains? Peut-être, je ne suis pas bien sûr habilité à dire oui, mais nous avons pris déjà plusieurs fois des stagiaires. J'en ai eu surtout des Français. Qui sont venus plusieurs années de suite faire leur stage de quelques mois et qui ont ensuite passé leur diplôme avec leur rapport de stage. Ça s'est très bien passé, ça a toujours été très intéressant et je pense que des stagiaires africains seraient peut-être bienvenus. Bien sûr, il faut voir ça avec le directeur du centre, la directrice exactement, ou la responsable, c'est pas vraiment une directrice, la responsable du centre aujourd'hui, mais pourquoi pas en effet. Ce serait une très bonne idée. Notamment sur la photo, sur le classement, sur beaucoup de choses. Il y a des stages très intéressants à faire. Il faut que ce soit des stages d'un certain temps, pas des petits stages d'une semaine. Il faut des stages qui permettent de travailler. Alors, bon, s'il n'y a pas encore d'autres questions, tu as parlé des activités à l'étranger, enfin des activités des branches internationales, je ne sais pas comment on les appelle. Et si j'ai bien compris, les archives de ces centres sont renvoyées au centre international. Donc, ils ne restent pas dans les pays. Alors, c'est une question qui est largement débattue et qui mérite de l'être, en effet. Le principe au départ, c'était que la plupart des pays enverraient leurs archives, parce que les équipes sont quand même modestes, n'ont pas de moyens, et Oui. donc la plupart des archives étaient rassemblées à Baillet, à Baillet. Elles arrivaient avec un volontaire qui revenait d'une mission et qui rapportait les cartons.
Bon, il y a certains pays dans lesquels ce n'est pas possible. Par exemple, aux États-Unis, les archives restent. Aux Pays-Bas, les archives restent. Enfin, il y a un certain nombre de pays qui ont les moyens, parce qu'ils ont un endroit dédié, de garder leurs archives. Et le principe serait plutôt de les laisser dans les pays. Mais il y a un certain nombre de pays qui sont incapables actuellement de garder leurs archives. On a des équipes dans tous ces pays-là, mais qui n'ont pas les moyens de conserver, de classer. Et dans ces cas-là, la solution est souvent adoptée de les faire rapatrier en France, ce qui n'est pas très, ni réglementaire, ni particulièrement archivistique, Oui. mais qui les sauve, qui les sauve. Et c'est très frappant de voir des gens qui viennent les regarder et qui souvent n'ont jamais fait d'études, sont vraiment très démunis devant ça, mais qui considèrent que c'est leur histoire, que c'est leur histoire et que c'est quelque chose de fondamental pour eux, ils se sentent représentés par ce fonds d'archives. C'est un peu fétichiste, mais c'est quand même, je suis représenté par ce fonds qui est conservé à Baillet. C'est assez extraordinaire pour nous. Alors, une autre question d'Abraham Banao. Salut. Comment rentrer en contact avec le centre si toutefois le besoin de stage se fait sentir? Est-ce que tu as une adresse ou... Oui, j'ai une adresse, mais il faudrait que je vous la passe. Là, je ne l'ai pas sous la main. Je peux l'envoyer peut-être. Je peux te l'envoyer ou te la faire l'envoyer Oui. après, parce que là, il faudrait que je ah, si, peut-être par mon téléphone. J'ai une adresse mail par mon téléphone. Chercher. Je ne veux pas arrêter mon. Voyons. Alors. Voilà l'adresse CIJW arrobase ATD petit tiret carmonde sans trait d'union et sans majuscule Oui. .org. .org. Voilà. Andreas, peut-être peux-tu la mettre sur le chat ou... Alors, de nouvelles questions. Ben voilà, ça y est, j'ai une. Le centre Vrejinski vient de répondre. Il y a une. Ben voilà, Voilà, c'est bon. ça veut dire qu'ils ont Bon, écouté. c'est pas tout à fait la même que toi, mais ça Non, n'a pas d'importance. d'accord, ça va. Alors, un spectateur anonyme, un participant anonyme demande si ce fonds a permis de faire bouger les choses. Il me semble que tu as parfaitement montré que toutes ces réalisations ont eu des conséquences politiques au plus haut niveau, à l'échelon national avec l'institution effectivement du RMI, et puis à l'échelon international avec ces rencontres, la création de l'année de lutte contre la misère et ces journées internationales. Et c'est, enfin, il me semble que tu as déjà répondu à ça. Mais enfin, tu peux peut-être continuer. Oui, je pourrais continuer. Surtout, je voudrais faire une remarque générale. Si nous reprenons les choses il y a une quarantaine ou une cinquantaine d'années, la charité ou la bienveillance ou les actions à l'égard des gens qui étaient en difficulté étaient faites dans une autre perspective. Très souvent, c'était on va donner, on va donner, on va se pencher sur. Maintenant, c'est tout à fait différent et c'est devenu un lieu commun. Mais c'est parti de Joseph Brzezinski, je crois. Là, je crois qu'il a joué un rôle considérable Oui. pour faire changer la mentalité et montrer que, en fait, il s'agissait d'un échange entre les gens qui ont de l'argent et ceux qui n'en ont pas, par exemple, ou entre ceux qui ont des difficultés de vie et ceux qui en ont moins, mais que c'était un échange, que c'était, et en tout cas, c'était par eux-mêmes qu'ils devaient s'en sortir. Son idée, c'était qu'il fallait s'en sortir par soi-même. Et que justement, l'histoire était un des éléments qui leur permettrait de s'en sortir. Sans histoire, on ne peut pas s'en sortir. Et ça, je l'ai constaté plusieurs fois. Sans histoire. Et là, c'est une mentalité qui a changé partout. On entend maintenant partout dire, non, il faut que les gens s'en sortent par eux-mêmes. Il faut peut-être les soutenir, bien sûr, mais c'est à eux d'agir. Et maintenant, c'est devenu un lieu commun, j'allais dire. Alors qu'il y a encore 40 ou 50 ans, ça n'était pas du tout le cas. Du tout le cas dans la plupart des associations. On intervenait pour aider. Maintenant, on aide, certes, mais on aide dans une autre perspective. Je ne sais pas si je suis claire, mais c'est ce Si, que je veux si, dire. si. Je crois que la mentalité a beaucoup changé et que le rôle de Brzezinski a été très, et d'ATD a été très important dans ce domaine. Très, très important.
Alors, sur le reste, bien sûr qu'il y a des choses qui ont évolué. La participation, par exemple, du Père Joseph et d'autres au Conseil économique et social a été très importante. Et le rapport qu'il avait fait, la naissance du RMI, d'ailleurs, ça serait intéressant de faire une étude justement pour voir comment ça s'est véritablement passé. Mais manifestement, ça a compté sur un certain nombre de choses. Je crois que son influence a été sinon indispensable, mais enfin grande, grande, oui, je crois vraiment. Et puis il y a toujours ces actions que je n'ai pas eu le temps d'aborder, mais par exemple les bibliothèques de rue. Les bibliothèques de rue, c'est une action très originale où on voit des volontaires, des bénévoles, des alliés, comme on dit, c'est-à-dire des gens qui peuvent être comme nous, des soutiens, mais qui font aussi d'autres choses dans la vie, qui vont dans les cités, dehors, et qui apportent des livres, et qui parlent avec les enfants qui viennent jouer, et les familles qui descendent. Et ça fait un lien très important, ça développe la culture. Même chose pour beaucoup, les universités populaires, dont j'ai dit simplement un mot, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Ça fait vraiment, ça permet à des gens de s'exprimer, de organiser leurs pensées, et je crois que c'est aussi quelque chose d'original et qui a fait changer les choses. Je crois. Oui, et sans doute aussi dans les pays où sont dans les 31 pays que tu as. Alors c'est très inégal, bien sûr, parce Oui. que d'abord, les pays sont très différents les uns des autres. Les équipes sont très différentes parce que les équipes sont composées quelquefois de gens qui viennent des volontaires qui peuvent venir d'Europe ou d'Afrique et qui se retrouvent dans des petites équipes dans les bidonvilles, dans les slums, et qui vivent au jour le jour avec tout le monde hein, et qui essayent de développer des actions. Donc c'est très différent selon les pays, très très différent. Hein. Et justement, on en voit bien la trace dans les archives. Et juste, bon, puisque j'ai la parole, ces centres sont présents sur tous les continents? Alors, oui, je pense. Je sais, En je... En Afrique, en Afrique, Amérique latine aussi? c'est évident. En Amérique latine, Oui, c'est oui. évident. En Amérique du Nord, c'est évident. En Australie, je ne sais pas. En Asie, il y en a un En peu. Asie, En Asie, il y en a un oui. petit peu. Il y en a à Taïwan, il y Ah en a oui. aux Philippines. Je n'en ai peut-être pas dans tous les pays. Il y en a, je sais pas, je ne sais plus tous les pays. En plus, à vrai dire, j'y vais moins maintenant, donc il faudrait vraiment leur demander de mettre à jour mes connaissances, parce que j'en savais plus il y a un an ou deux, là, je m'y suis un Alors, peu arrêtée. il y a beaucoup de questions. Une question de Rosine Cléier-Michaud. Je Bonjour, suis Rosine. très admirative, une observation de Rosine et une question. Je suis très admirative de toutes ces réalisations. Une question qui finance le centre, effectivement, la question des ressources. Alors, tu mets le doigt sur ce qu'on m'a suggéré la semaine dernière, c'est-à-dire de faire un appel à tout ce qui pouvait aider matériellement et notamment effectivement au fond. Alors, les Archives de France ont aidé pendant plusieurs années en donnant des subventions pour développer un certain nombre de choses. Le ministère de la Culture donne une subvention, le ministère de la Solidarité aussi, mais c'est évident qu'il y a un coût, il y a un coût et qu'ils sont à la recherche d'argent. Ça, c'est évident. C'est évident. Il y a des collaborations qui sont faites. Il y en a une avec la Bibliothèque nationale. Enfin, il y a pas mal de collaborations, mais c'est évident qu'ils sont à la recherche de moyens financiers pour les soutenir. C'est certain. Rosine a tout à fait mis le doigt sur une véritable question. Et s'il y a des suggestions, je suis sûr qu'elles seront bien accueillies là-bas. Très bien, une question de Pauline Debionne. Ah, que je connais aussi, oui. Qui est la fille d'anciens volontaires. Alors, quelles archives électroniques sont déjà versées à Bayeux? Il y a beaucoup d'archives, je ne sais pas, je ne sais pas. Il y a des archives électroniques, il y a surtout des archives, il y a surtout l'usage de l'informatique pour conserver. On met sur document magnétique les archives qui sont importantes. Je ne sais pas si on archive véritablement des fichiers informatiques. Je n'en sais rien. Là, il faudrait vraiment voir avec eux. Je ne suis pas apte à répondre. Je dirais des bêtises. Faudrait que D'accord. non, je ne sais pas. Alors, toujours un participant anonyme, ce fonds est-il représenté à travers toute la France ou uniquement en région parisienne? Représenté, il y a des le mouvement est représenté en France un peu partout. C'est-à-dire qu'il y a des équipes un peu partout et donc les archives sont à l'image de ces équipes. Alors les archives de ces équipes sont conservées sur place.
quand il y a la place et quand il y a quelqu'un pour le faire. Par exemple, je vois à Reims, où il y a une équipe assez costaud depuis assez longtemps, ils ont des archives intéressantes sur les différentes actions qu'ils ont menées. Et les équipes qui sont plus modestes, qui n'ont pas beaucoup de moyens, ont tendance à envoyer leurs archives à Bayeux. Mais les fonds sont quand même organisés, bien sûr, par provenance. Et donc, on ne mélange pas les archives de telle région avec telle autre. Et ça n'est pas du tout particulièrement région parisienne. Pas du tout. Pas du tout, non, non. D'accord. Toujours un participant anonyme, quelle est la nature des rapports entre les instances nationales de gestion des archives et du patrimoine et le centre? Les instances nationales Je pense que ce sont les, ben, ce sont d'exposition. les archives nationales, les archives de France. Alors, les relations ont toujours été bonnes, ne serait-ce que par mon intermédiaire, puisque c'était à moi qu'ils s'étaient adressés au départ. Ils s'étaient adressés à moi tout simplement par hasard, parce qu'ils avaient été envoyés par une amie de ma promotion qui les avait rencontrés à Moscou. Et comme ils avaient dit qu'ils avaient des problèmes d'archives, on leur avait dit bah, appelle Paul-René Bazin. Et puis voilà, c'est comme ça que ça s'était passé. Et depuis, les relations ont toujours été très, très bonnes. Actuellement, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui suit particulièrement cela, mais par exemple, quand je suis allé, j'ai été invité pour la présentation de l'inscription sur le registre Mémoire du Monde de l'UNESCO, il y avait des représentants des archives nationales, il y avait des représentants, et bien sûr, le directeur est au courant. Alors, est-ce que quelqu'un suit particulièrement Agnès Étienne Mannien, qui était à l'inspection générale de la culture, était là et suit les choses. Lina suit les choses. Donc, en effet, il y a beaucoup de collaboration. La Société des Amis des Archives de France avait donné le prix Charles Samaran donc pour qu'il récompense les archives économiques ou privées ou sociales à TD il y a quelques années. Il y a des relations qui sont assez. Qui sont assez suivis. Alors, je ne sais pas où ça en est précisément pour le moment. Je ne sais pas. Je n'ai pas entendu parler d'actions précises pour le moment, mais je sais il y a des bonnes relations. Alors, une réponse du centre Joseph Très Brzezinski bien, oui. sur justement les archives électroniques, Ben voilà. 130 téraoctets. Parfait. Donc, là, Merci. C'est très bien. voilà Quand une je leur avais autre. envoyé le lien, c'est très bien qu'ils s'y soient mis. Voilà, donc merci pour votre Oui. contribution. Une autre observation du même centre disant que les équipes gardent la main sur leur mémoire. Oui, bien Alors. sûr. Bien, c'est ça, oui, tout à fait. Voilà, et Bernard Mumpasi-Maleka, félicitations aux organisateurs de ce forum et félicitations particulières à Paul-René Bazin pour Merci. l'exposé captivant. Je suis à Kinshasa et Voilà. réponds au nom de Bernard Mumpasi-Maleka. Juste une question, quel est le rôle des militants de Carmonde au centre Père Joseph? Ah, alors Voilà aussi. là encore, j'espère que le centre va répondre parce que les choses évoluent, bien sûr. Les militants, ils sont chez eux, là. Ils y viennent. Ils ont accès à des archives qui les concernent. Il y a des gens comment dire, qui les aident quand c'est nécessaire à écrire leur histoire, à accéder à des documents qui leur importent. Moi-même, je dois dire, je peux citer quelque chose de très qui m'avait beaucoup frappé. Une année où des militants étaient venus passer un week-end à mairie et étaient venus visiter le centre il y a quelques années, on m'avait demandé de faire un petit groupe de travail sur les archives. Et on avait fait un groupe, j'étais partie de ce que sont les archives, c'est-à-dire des preuves d'abord. Et pour montrer cela, j'avais montré au premier groupe une photocopie de l'extrait de naissance de Joseph Brzezinski, ce qui me semblait pour moi le béaba de la preuve. Et j'avais trouvé en face de moi des gens bouleversés, me disant, mais tu ne te rends pas compte, tu nous montres ça, mais nous, on n'a pas les actes de naissance de nos parents. On ne sait pas d'où on vient. Et ils étaient dans un état d'anxiété, comment dire, d'émotion que je n'aurais jamais imaginé. Donc vous voyez, ils sont accueillis. Et bon, pour chacun, c'est différent. Il y en a qui accèdent plus facilement aux archives que d'autres. Il y en a qui viennent accompagner. Mais ils sont accueillis, bien sûr. C'est un lieu qui leur appartient. Alors, une autre question concernant le métrage, combien de mètres, de kilomètres linéaires ou de mètres linéaires? Alors, dans mon exposé, j'ai mis plus d'un kilomètre. Oui. Attends, j'ai le rapport, comment passaient les amis que j'ai vus là-bas la semaine dernière. Voilà, le rapport de 2022, nature de l'activité
Alors, archives, 2,7 km, 2,7 km et 130 téraoctets. Ah oui, mais alors, C'est ça. c'est ça, voilà, c'est ça. Voilà, volume des archives, accroissement des fonds, ça c'est le patrimoine total, voilà. Et la bibliothèque, voilà, les archives, en 2020, il y avait 2,3 km, en 2021, 2,55, en 2022, 2,7. Voilà. Donc ça veut dire un accroissement quand même relativement considérable. Et alors il y a les mètres linéaires aussi, volume des archives, 17,6 mètres linéaires pour l'accroissement l'année dernière. Plus 17 versements, dont 6 numériques, voilà, et 0 hybride. Et reportages photographiques, 63 reportages photographiques rien que pour l'année 2022. Et documents numérisés, photos, 74 géos, soit 38 018 vues. Voilà. Nombre d'instruments de recherche, 487. Voilà quelques éléments chiffrés qui peuvent permettre d'y voir clair. Merci. Alors, une réponse du centre à la question concernant les militants. Certains font partie du comité d'éthique. Ah oui, aussi, Ils bien sont sûr. tout à fait chez eux dans ce centre. Plusieurs viennent aussi retrouver des traces de leur vie, de l'histoire de leur quartier. Voilà. Oui. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, j'avais une suggestion, je ne sais pas si elle est réaliste, et une question, savoir si le centre organisait des expositions, ça c'est ma question, et s'il faisait des journées portes ouvertes, par exemple au moment des journées du patrimoine. Alors oui, bien sûr, il y a des Oui. journées portes ouvertes. Il y a des journées portes ouvertes. Pendant un moment, il y avait même de temps en temps des déjeuners, ou des petits déjeuners, ou des matinées ouvertes. Je ne sais pas s'ils continuent actuellement, mais ils l'ont fait pendant de nombreuses années, où c'était ouvert, alors surtout aux gens qui habitaient dans le coin, qui étaient dans la région et qui venaient. Il y a la journée porte ouverte, bien sûr, la journée du patrimoine, évidemment. Et puis, qu'est-ce qu'ils demandaient d'autre aussi, s'il y avait des... Il y avait des expositions. Ah oui, les expositions. Alors, il y a d'abord les expositions au centre. Quand je disais qu'il y avait une artothèque, il y a aussi la conservation des expositions qui sont faites, puisque à partir des photos et à partir des documents, il y a très souvent des expositions sur panneaux qui circulent à l'occasion d'une manifestation, à l'occasion d'une réunion, et il y en a dans le monde entier. Et ces expositions sont conservées, il y a une collection qui est conservée à Baillet, à Baillet. Je ne sais pas si elle est complète, mais en tout cas, elle est très importante et beaucoup de gens viennent les consulter, les utiliser. Là, manifestement, les expositions, c'est un sujet très important parce que ça permet de mettre à disposition des gens, des documents, des informations. Manifestement, il y a des expositions très bien faites d'ailleurs et depuis très longtemps. C'est une Et qui sont activité importante. ouvertes au public. Alors, elles ne sont pas ouvertes à Baillet, il n'y a pas d'exposition à Non. Baillet. Baillet n'est pas un centre où il y a beaucoup de monde, parce que D'accord. c'est loin de la gare, ce n'est Ah pas très oui. facile d'accès. Il y a toujours des photos dans la salle que vous avez vue rapidement, la salle de lecture. Et puis j'aurais pu vous montrer aussi les photos qui sont dans le rapport, mais il aurait fallu que j'en fasse des doubles, etc., et que ma conférence dure 2 heures au lieu de 40 minutes. Mais il y a beaucoup d'images. Quand on se promène dans Baillet, c'est plein d'images. Et donc, on vit entouré de la vie du mouvement et des gens qui vivent dans la pauvreté. Ça, manifestement, partout, il y en a. Mais on ne fait pas d'exposition à Baillet parce qu'il n'y D'accord. aurait pas de public, je crois, ou très peu. Bon, je ne vois pas d'autres questions. On peut dire aussi, on peut renvoyer au site web Bien de. sûr. Bien sûr. Il y a le site web et il y a aussi alors les sites sur Joseph Brzezinski, qui sont les sites du mouvement, qui sont très importants et dans lesquels il y a énormément d'informations et de documents qu'on peut consulter. Parce que autant les archives papier, les archives telles que nous les appelons archives, les dossiers, sont souvent confidentiels, pas toujours très faciles d'accès pour différentes raisons, autant tout ce qui est documents imprimés ou même renéotypés, les premiers journaux, ce qu'on appelle les igloos, c'est-à-dire les premiers journaux qui étaient sortis par ATD au début du mouvement, tout ça c'est numérisé, accessible et ouvert à tout le monde, bien sûr, c'est disponible absolument sur le site Joseph Brzezinski, tout à fait. Bon, et je vois que
Le centre répond, n'hésitez pas à nous contacter pour venir Voilà. nous visiter. Ça, c'est Très bien. très bien, mais ça, on le fera. Oui. Bon, je vois une question d'Abraham Banao qui dit qu'il est dans un service d'archives, je ne sais pas dans quel pays, et qu'il a besoin de nos conseils pour réussir sa mission de traitement des archives, car il est tout seul. Alors, je ne sais pas, on ne sait pas de quel service d'archives il s'agit. Si c'est une association, bon, le Conseil international des archives avait fait un petit manuel à l'intention des ONG, et j'ai vu que Paul signalait un guide d'archivage en 2010. Oui, mais il est trop vieux, il est trop Il est vieux. trop vieux. Il est Bon, trop vieux et le maintenant. Il y a nôtre, sûrement... Ils ont peut-être fait mieux il est trop depuis, parce vieux. que j'ai cité ça parce que ça correspondait à la période où j'y étais, où on avait fait un stage avec des gens qui venaient du monde entier pour apprendre un peu comment, ce que c'était que les archives, etc. Mais je suis sûr qu'il y a mieux maintenant. Je suis persuadé que le centre a fait des documents plus contemporains, plus récents. Hein. Bon, puisqu'il n'y a pas d'autres questions, je te remercie de la part de tous les participants et de la section au Burkina Faso, dans des archives administratives. Voilà, il répond. Oui, Alors, Burkina Faso. ah oui, Burkina Faso, bah, oui, je ne sais pas. Je ne sais Mais pas. non, je ne sais En pas tout non cas, plus. moi, je te remercie aussi de m'avoir demandé d'intervenir parce que ça Ben non, m'intéresse. parce Ce que j'ai fait avec ATD m'intéresse, m'a toujours beaucoup intéressé. Je me sens très, très proche, évidemment, de ce mouvement maintenant. Et donc, je suis très heureuse que tu m'aies demandé de participer à ça. Eh bien, en tout cas, c'est une expérience extraordinaire que tu as eue aussi pendant 20 ans. Donc je ne savais pas que c'était aussi long. Et je te remercie. Donc, la prochaine fois, nous aurons ces séances le 6 août, vraisemblablement en espagnol, mais ça n'est pas encore arrêté. Je voulais vous dire que vous pourrez retrouver ce débat et cette conférence sur le site YouTube de l'ICA dans quelques jours. Voilà. En tout cas, merci à tous. Merci à Andreas pour son soutien et à très bientôt.